Bienvenue sur cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne année. Je suis ravie de reprendre mes taroscopes sur cette année 2022. Alors pour tout vous dire sur ce tirage, pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Parce que janvier a déjà démarré. Quelles cartes j'utilise? Tout ça, c'est dans la vidéo d'introduction. N'hésitez pas à aller la visionner. On démarre avec le message qui s'invite à vous. Alors pour vous les vierges, mes chers amis vierges. J'en connais plein. Alors, je vous fais des bisous en passant, tous ceux que je connais qui sont vierges. Hop. La carte d'information et de précision. Oh, je sens qu'il faut battre encore. Il faut brasser, brasser les vierges. Parce que c'est comme si... C'est comme si vous attendiez une information précise. Je vais être juste avec vous. Voilà, c'est celle-ci. Et puis, le Merry Christmas. La carte ressource, la carte conseil. La carte complémentaire vers laquelle tendre. Voilà, je vais prendre celle-ci. Pour vous les vierges. L'espièglerie. C'est pas beau ça. L'espièglerie. La joie de vivre. C'est pas forcément la désinvolture. Attention, ne confondez pas l'espièglerie, la désinvolture. C'est une danse avec la vie. Hein, c'est de savoir attraper dans tous les événements qui vous arrivent. Le petit clin d'œil de la vie, c'est évidemment le monde est complexe, le monde est compliqué en ce moment. Eh bien, peut-être que vous êtes invité à regarder un petit peu le côté farceur de l'univers qui vous provoque un petit peu en ce moment. Vivez ces événements avec espièglerie, légèreté. Hein, être espiègle, c'est être léger, c'est être taquin. Transformez ce qui se passe à votre avantage. C'est un petit peu ce qui s'invite ici dans cette carte-là. On va aller regarder la précision. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, oui, vous vous ennuyez peut-être un petit peu. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé, esselé. Vous attendez que la vie vienne vous servir, je dirais, quelque chose de nouveau, de lumineux, de vivant, de fort, de vibrant. Ce n'est pas faute de faire des choses, vous en faites des choses, évidemment que vous en faites des choses, évidemment que vous travaillez, vous œuvrez, vous avez des relations, vous bougez, mais il y a comme un sentiment de... Ça manque de pétillance tout ça, vous avez envie que l'univers vous apporte ça, vous avez un naturel jovial, hein, vous amusez facilement des choses, mais il y a quelque chose à puiser en vous, à aller chercher en vous qui va... rapporter cette flamme, voyez, c'est un petit peu ce que je sens ici. Votre commentaire sera intéressant. Dites-moi comment vous le ressentez. On va regarder la carte conseil. L'abondance est là, tout est là. Là, il y a juste à y aller, creuser le trou dans la banquise. Faites péter la glace, ami vierge. Faites péter la glace. Montrez qui vous êtes vraiment. Ne vous cachez pas sur la surface de la banquise. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit la force de vie, la joie qui vous habite, qui vous inonde, qui est là. Vous avez toute cette pétillance. Eh bien, laissez-la sortir. Je dirais que s'il y a des choses qui sont trop routinières, vous êtes enfermé dans quelque chose qui est lourd, qui est ennuyant, qui est routinier, il y a l'abondance, c'est là pourtant, hein, autour de vous. Qui partait à la pêche, il ne tient qu'à vous. Moi, je sens que c'est il ne tient qu'à vous, que les choses se transforment. N'allez pas chercher l'énergie ailleurs ou les forces de transformation ailleurs. Les forces de transformation, elles sont chez vous. Laissez votre espièglerie émerger, sortir, amusez-vous des choses. Prenez peut-être aussi ce qui vous arrive avec plus de légèreté, moins de sérieux. C'est peut-être aussi ça le message qui s'invite. Alors, cette notion d'abondance, hein, moi, je vous lis ici davantage puisque c'est les poissons dans le Normand et on parle souvent d'abondance, mais on parle aussi de se laisser couler dans le flot en libérant
cette joie de vivre, cette espièglerie, la manière dont vous taquinez l'univers, le monde, les événements, vous êtes dans le flot d'énergie qui vous convient le mieux. Alors pour la Vierge, je pense que ça convient très bien d'ailleurs, hein. Voilà ce que le message du mois de janvier est en train de vous dire, amis Vierges. Donc, faites-moi un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, si ça vous a plu. Et on continuera ensemble, un petit bout de chemin. Si ça vous dit, moi, ça me plairait bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et encore bonne année.